Bonjour et bienvenue au rapport mensuel de l'USDA. C'est un rapport très intéressant parce qu'il nous donne des premières estimations pour 2022-2023. Faut souligner que c'est un rapport haussier mais prudent. D'abord, haussier, pourquoi? Parce que les prix FAB ferme sont à la hausse pour les trois principaux grains. Pour le maïs, on parle de 6,75 $ contre 5,90 $ pour l'année en cours. Pour le soya, 14,40 $ contre 13,25 $ pour l'année en cours. Et finalement, pour le blé, 10,75 $ comparativement à 7,70 $ en 2021-2022. Mais c'est un rapport prudent en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie, compte tenu de la guerre. Commençons par le maïs. La production américaine baisse de 4,3% pour s'établir à 14 460 millions de boisseaux. Cela est dû à une baisse de la superficie qui passe à 89,5 millions d'acres, alors que le rendement est stable avec 177 boisseaux de l'acre. Les stocks baissent de 1 440 millions de boisseaux en 2022 à 1 360 millions de boisseaux en 2023. Pour le soya, la récolte augmente de 4,6% pour s'établir à 4 640 millions de boisseaux en raison d'une augmentation de la superficie avec 91 millions d'acres, alors que le rendement augmente très peu par rapport à l'année passée avec 51,5 boisseaux de l'acre. Les inventaires augmentent, ils passent de 235 millions de boisseaux en 2022 à 310 millions de boisseaux en 2023. Maintenant, pour ce qui est du blé, la production américaine est prévue augmenter de 5% pour s'établir à 1 729 millions de boisseaux en raison d'une augmentation simultanée de la superficie et du rendement. Les stocks baissent, ils passent de 655 millions de boisseaux en 2022 à 619 millions de boisseaux en 2023. Maintenant, à l'international, les exportations de blé de la Russie sont prévues atteindre un niveau quasi record de 39 millions de tonnes l'an prochain, malgré les sanctions internationales. Par ailleurs, l'Ukraine est prévue exporter moins de grains, mais malgré tout, ce pays, d'après l'USDA, devrait exporter 10 millions de tonnes de blé en 2022-2023 et 9 millions de tonnes de maïs. Donc, on parle de 19 millions de tonnes de grains ukrainiens exportés en 2022-2023, malgré la guerre et la fermeture des ports ukrainiens. Finalement, la Chine, les importations chinoises sont estimées à 18 millions de tonnes de maïs contre 23 millions de tonnes pour l'année en cours et 99 millions de tonnes de soja comparativement à 92 millions de tonnes en 2021-2022. Ces deux niveaux d'importation sont positifs car ils représentent une demande persévérante pour le maïs et une demande croissante pour la fève. Voici ce qui conclut notre analyse pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver en juin. Merci.